Allez, c'est parti cette fois pour le quintet du jour, le prix de Brionne. La favori Impérial Mabon est plutôt parti à la corde. Indigir en orange est en train d'accélérer pour venir se placer avec à l'extérieur le numéro 14, ID Exceptional, et le 4, Riven Déjà Vu, qui est en train de venir se placer alors qu'un concurrent est fautif à l'extérieur. Il s'agit du numéro 8, King Cole, faute également du numéro 13, Donizetti. Avec deux chevaux qui sont trop fautifs, deux chevaux qui, faisaient partie des concurrents en vue. Et pendant ce temps, c'est ID Exceptional, un cheval qui débute aujourd'hui en France, qui a pris l'avantage. Il est bientôt rejoint par Cool Chronos. Cool Chronos avec Raven Déjà Vu également qui est au contact. C'est le numéro 4. On a également Hamilton Duham qui se rapproche en dehors. Cool Chronos qui est là, et puis à l'extérieur le numéro 8, King Cole, qui revient après sa faute dans le wagon de l'extérieur. C'est le numéro 14, ID Exceptional, qui a l'avantage pour aborder la descente. Cool Chronos deuxième. Cashmaker est en troisième position à la corde. Hamilton Duham se rapproche, il vient couvrir maintenant le numéro 5, Staro Morito. En dehors, le numéro 8, King Cole, accélère. Il est suivi par Indigir, le numéro 15, alors que le 4, Raven Déjà Vu, patiente non loin des leaders en 6-7e position et précède notamment le numéro 9, Biansbar, le favori impérial. Mabon est en position d'attente dans le dernier tiers du peloton. Il patiente pour l'instant Eric Raffin avec le grand favori impérial Mabon en tête. Il y a bagarre hein, puisqu'on accélère avec King Cole qui va tenter de prendre le relais devant Hamilton Duham qui venait de se rabattre en tête. Indy de Gier, c'est la Kazakh Orange, il vient également tout près. ID Exceptional est à la corde quant à lui avec Cool Chronos qui vient cinquième à son extérieur. C'est rythmé en bas de la descente sous l'impulsion de King Cole qui est venu en tête. En deuxième position maintenant Hamilton Duham avec Indy de Gier qui est la troisième. Cool Chronos qui a quitté la corde qui se retrouve en embuscade. En deuxième épaisseur à l'abri devant Staro Morito. En dedans il y a ID Exceptional, Kazakh Vert, Toc Rouge devant le 2 Cashmaker, alors que le numéro 4 Raven Déjà Vu patiente un peu plus loin, le favori de la course. Impérial Mabon est à l'arrière, il se décale maintenant, il va peut-être progresser dans un wagon. Et avec un wagon qui s'est formé à l'extérieur avec notamment le numéro 4 Raven Déjà Vu qui vient fort maintenant pour tenter de rejoindre le groupe de tête. Il est en train de contourner le peloton, le cheval suédois là, qui débute aujourd'hui en France. Il vient vite pour rejoindre en tête le numéro 8 King Cole. Très bel effort de Raven Déjà Vu, King Cole qui répond par la faute, ce qui va permettre à Franck Ouvry peut-être de temporiser un petit peu maintenant avec Raven Déjà Vu qui a l'avantage. En deuxième position Indigir, en dehors le numéro 9 Biansbar qui vient maintenant le nez au vent, suivi par le favori Impérial Mabon. Cool Chronos est toujours en embuscade derrière les leaders avec également Hamilton Duham et à la corde ID Exceptional. Raven Déjà Vu qui a pris l'avantage, il semble aller facilement, il est sous pression d'Indy de Gir avec maintenant à l'extérieur également le numéro 9 Biansbar qui vient vite avec également Impérial Mabon, le favori qui a eu un bon parcours et qui se rapproche à l'extérieur. Ouais, il se fait ramener Eric Raffin avec Impérial Mabon qui va librement dans le dos du numéro 9 Biansbar à l'extérieur alors que le peloton est groupé pour sortir du tournant final. Raven Déjà Vu qui tente de repartir à l'extérieur, le 9 Biansbar qui est courageux, et puis voilà maintenant en dehors Impérial Mabon qui est lancé. Nice présente également s'annonce alors qu'Indigir et Hamilton Duham vont jouer les premiers rôles également. Impérial Mabon de plus en plus fort à l'extérieur qui tente de venir prendre l'avantage, mais Raven Déjà Vu se défend bien avec également Hamilton Duham qui résiste. Hamilton Duham, Impérial Mabon pour la victoire. Nice présente qui revient également. Hamilton Duham va s'imposer. La deuxième place pour Impérial Mabon devant Nice présente. Le 4 Raven Déjà Vu et le numéro 7 Cool Chronos. Et bien qu'il n'était pas déféré aujourd'hui, Hamilton Duham s'impose. Il était en grande forme, il en profite et il s'impose assez brillamment d'ailleurs devant le favori Impérial Mabon qui termine deuxième. Nice présente termine quant à lui troisième. Le 12, le 10, le 6, la quatrième place est pour le 4 et la cinquième. Le 7. Le 7 Cool Chronos. 12, 10, 6, 4 et 7.